Alors, je m'appelle Thomas Dacosta, j'ai 18 ans et je suis membre du Cercle Magique de Seine-et-Marne. Je suis aussi membre de l'équipe de France de Close Up, donc la dernière promotion de février 2016. Et donc, je suis spécialisé en cartomagie et du coup en Close Up. Alors, j'ai commencé la magie à l'âge de 5 ans. J'ai reçu une boîte de magie, hein, très classique, comme un petit peu tout le monde. Après, j'ai regardé des vidéos du plus grand cabaret, Bernard Bilis, au plus grand cabaret. Puis, je voulais justement un petit peu imiter un petit peu ce qu'il faisait. Et du coup, je me suis mis à regarder des vidéos sur Internet. Et petit à petit, j'ai acheté mes premiers tours et voilà. J'ai pas de façon particulière. J'y vais assez simplement, assez directement. Et en général, quand je fais un tour, je suis souvent dans un contexte. C'est-à-dire que je suis annoncé, ou alors je suis donc soit en représentation close-up, table à table, dans des événements comme des mariages ou des événements privés d'entreprise. Ou alors c'est sur. C'est en famille ou entre amis, et du coup, les gens savent un petit peu ce que je fais. Ça m'arrive. Enfin, ça, j'en faisais beaucoup avant, et du coup, j'en fais. J'en fais un peu moins maintenant. C'est pas trop mon truc en fait. Je suis pas vraiment un fou de street magic. Et voilà, c'est pas trop mon truc. Alors toutes les personnes qui font de la street magic savent qu'on reçoit des noms forcément. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit bonjour, voulez-vous un petit tour, comme certains qui pourraient proposer des roses ou des trucs comme ça. Bon, c'est un peu une arnaque de rue aussi, des fois quand on fait de la magie, mais un conseil pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est parler de la gratuité. Et du temps, du peu de temps en fait que ça représente. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors c'est compliqué parce qu'on peut pas critiquer totalement. Enfin, nous on aurait tendance à critiquer maintenant au niveau où on est tous en fait. Maintenant qu'on a une certaine base et certaines techniques qu'on a assimilées. Mais j'ai envie de dire, moi sans certaines vidéos de magie, c'est comme ça, sans certaines vidéos sur le web, j'aurais jamais pu apprendre de manière aussi simple et à un coût aussi bas quoi. Donc c'est vrai que ça a des côtés un petit peu, il y a des déviantes en fait, et le problème c'est qu'il y a trop de tours en fait qui sont expliqués maintenant, trop de tours professionnels qui sont expliqués qu'on peut trouver quasiment malheureusement tous les tours sur internet, mais d'un autre côté certaines techniques, c'est un petit peu bête à dire, mais tout passe par le web aujourd'hui dans tous les domaines, donc c'est pas plus mal que certaines choses soient révélées. Ah, c'est compliqué ça, c'est compliqué. Bah forcément il y a un accès gratuit avec justement les vidéos du web, comme on en parlait tout à l'heure. Après, ouais, parce que du coup là c'est gratuit, mais c'est pas forcément légal. Je suis pas forcément pour un accès gratuit et légal parce que tout le monde peut avoir accès à tout en fait du coup. Ce qui fait que la magie au final va finir par mourir à cause de certaines personnes qui peuvent aller voir n'importe quoi. C'est dingue, mais quand on voit certaines vidéos explicatives, il y a des vidéos qui touchent quasiment le million de vues quoi. Donc on se dit un million, il n'y a pas un million de magiciens, c'est pas possible. Donc il y a certaines personnes qui regardent ça pour faire de la magie en soirée, de la magie rapide, mais certains tours, je pense que c'est important pour les jeunes qui commencent, qui n'ont pas forcément de moyens, des fois aussi. Mais à un certain niveau, il faudrait arrêter aussi de dévoiler des tours qui sont trop. Qui viennent de créateurs, qui vendent. Voilà. Je pense que certains premiers tours, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le tour des 4 valets, là, le tour que tous les petits font. Voilà. Ça, je pense que c'est bien, le tour de l'horloge, les tours classiques, c'est une bonne chose. Après, le reste, que tout soit dévoilé, non, c'est pas du tout une bonne idée. Essayer d'intégrer des clubs de magie, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est une bonne chose pour justement le partage entre magiciens et surtout l'entraide. Ils apprendront pas forcément beaucoup de trucs. Moi je sais qu'au CMS j'y vais pas essentiellement pour apprendre des choses, mais plutôt pour développer certains contacts et puis pour échanger avec certains magiciens,
ce qui est la base de la magie, je pense, la magie entre magiciens. Alors, futur projet, donc il y a les championnats de France l'année prochaine, que j'aimerais bien viser. Du coup, il y a l'équipe de France avec des stages qui préparent aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Les championnats d'Europe sont l'année prochaine. Donc peut-être justement passer par les championnats d'Europe et les championnats du monde qui sont dans 2 ans. Donc ouais, c'est au niveau des concours, j'ai bien envie de me lancer dans les concours. Et puis après, sur Internet, plutôt recommencer, j'avais lancé une petite série de... Une vidéo par semaine, je m'étais lancé un petit défi d'une vidéo par semaine à la fin de l'année scolaire, enfin de mars à juin, c'était comme ça. Et du coup, ouais, relancer certaines vidéos sur le web parce que c'est une bonne idée, ça me permet aussi d'être productif et de, et voilà, et de créer de nouvelles choses, développer de nouvelles choses au niveau de la caméra et puis au niveau de la magie aussi, tout simplement. Alors, c'est des sélections. C'est des sélections. Il faut présenter un univers, un personnage, une routine, un numéro en fait. Un numéro dans son... Je dirais, ouais, je dirais pas dans son intégralité, mais vraiment un numéro qui soit quand même bien ficelé, avec un certain décor autour, une certaine ambiance, et puis quelque chose de nouveau qui fait qu'on peut être sélectionnable, et du coup représenter la France dans des événements plus importants à l'échelle internationale, quoi. Close-up. Talio. Bicycle, quand même. Oh, David Stone. Ouais, David Stone. Yann Frisch. C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. David Copperfield. C'est bête, mais pour moi, c'est le plus grand magicien de tous les temps. J'aime bien, pour le côté décalé, totalement décalé, Eric Antoine. Il a donné une nouvelle approche de la magie. Donc, je cite pas les trois magiciens que je considère être les meilleurs du monde, même si Yann Frisch et Copperfield sont pas mal, mais Eric Antoine, ouais, j'aime beaucoup le personnage, c'est un mec qui est unique, donc voilà. Greg Wilson, pièce innovation et charisme. Un petit tour? Un petit tour, on peut essayer? Ok, alors un jeu de cartes ici, vous pouvez voir les cartes différentes, on a même les deux jokers du coup, d'accord? Ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait faire choisir une carte, et là, dans ce cas-là, certains magiciens, vous savez, procèdent à certains forçages, en fait. C'est-à-dire que je peux t'influencer de prendre une certaine carte, ou etc. Là, je vais pas du tout t'influencer, je vais juste défiler les cartes, et je vais pas la regarder. Je vais juste te demander juste de la prendre, de la regarder, de t'en souvenir. Okay. Ouais. Et chose très importante pour te montrer que c'est pas un forçage, c'est que tu pourras changer si la carte te plaît pas. Ok. Y a pas de problème? Vas-y. Je fais défiler les cartes et tu me dis stop quand tu veux, d'accord? Stop. Tu auras la carte? Ouais. Est-ce que tu veux changer? Ouais, je veux. Tu bien. Veux changer? On peut changer autant de fois que tu veux. Stop. Attends, hop. Stop. Tu vois la carte? Parfait. Elle te va celle-là? On la montre à la caméra. Tu la prends? Ouais. Je la prends, ouais. Tu la prends, tu la montres à la caméra et tu la gardes dans ta poche. Non. Et je referme bien le jeu. Tiens, est-ce que tu peux mélanger? Est-ce que quelqu'un peut mélanger le jeu peut-être? Ouais, vas-y, tu mélanges rapidement. Alors ce qui est assez... Ouais, donc pour montrer qu'il n'y a même pas d'ordre en plus, il est très fort, il est très fort. Pour montrer qu'il n'y a même pas d'ordre en fait dans le jeu, il a mélangé le jeu. T'as sorti une carte, t'as changé autant de fois que tu voulais, aucun forçage. Pas de moyen pour moi de connaître la carte parce que j'avais la tête tournée du début jusqu'à la fin, on est d'accord? Et pourtant, à force de travailler avec les cartes, les magiciens ont une certaine mémorisation rapide des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, si juste j'effeuille les cartes comme ça... Ouais, il manque une carte que j'ai pas vue par exemple... C'est entre le 7 de trèfle et le valet de cœur. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que le 7 de trèfle, je l'ai vu plutôt vers la fin. C'est le valet de cœur que t'as sorti? Il manquait, ouais, le valet de cœur dans le jeu? C'est ça? Et tu peux montrer vraiment valet de cœur dans le jeu. Avec des cartes, bien sûr, totalement différentes. Ça va? Ça vous va? Ouais. C'est rapide. Alors, j'ai pas compris.